Radioigennta Na e telepaez e felizgeriridroabi institu ver radio per amanale. Bonjour, Sal a to. à l'ascolte du Radio SIGA Internationale, Prima Radio Corse. Si Et un grand merci d'avoir choisi votre matinale sur RCI ou bien sur Télépaïse ce matin comme depuis quelque temps, on se retrouve le matin, début de matinée comme ça avec de l'information, de la météo. On va retrouver aussi aujourd'hui nos invités. Aujourd'hui nos invités c'est le conservatoire Henri Thomas, avec sa directrice et son DRH, qui seront avec nous en fin d'émission. L'agenda aussi des petites sorties qu'on va vous proposer donc pour cette semaine et ce, ce mois de février. Voilà, tout simplement. Et puis, bien sûr, on va retrouver l'ensemble de nos chroniqueurs ce matin sur RCI, Radio Corsica Internationale, et sur Télépaèse. Et je vous rappelle qu'on a aussi des rediffusions qui sont faites sur Pays ainsi que sur Radio Corsique Internationale. Et puis, bien sûr, l'ensemble des replays et des podcasts que vous allez pouvoir retrouver sur l'ensemble de ces stations. Aujourd'hui, nous allons, tiens, fêter... Ah, nous fêtons aujourd'hui les Jacqueline ainsi que les Jackie ah, Tiens, les Jackie les gouloscounes, un marin' douce. Je vais leur une très bonne fête nos Antigours sont des Antigours, si on va retrouver Beada, Yacumette et Santogir Lormo emiliano voilà donc euh, pour euh, les fêtes de donc ce 8 février sur euh, l'ensemble de notre île et de partout dans le monde. Nous allons débuter avec euh, Marie-Ange Jérron vous savez qu'elle fait le tour des villages et une petite anecdote comme ça des villages Alors surtout n'hésitez pas. Bon, si vous voulez déglobaler ça peine de choses, Vous nous envoyez sur euh, le Facebook euh, de la radio, ou bien sur le, les, les mails. Bon, ben, je voudrais qu'elle parle de mon village. Et puis, si vous avez quelques petites anecdotes, n'hésitez pas à lui glisser. Hein, C'est toujours bien. Marie-Ange Girault pour euh, ce début de matinale. Bonjour, nous et salut à tous. Tibestamadina, les et RCI continuem o insa me uno di baesi, e allora odi andemo in pia orientale e andemo in aleria allora gunichi destou detougui par egalabiava tu a stagione in aliria. allora colera d'alia expression spressione un coup o glima mal sanu di le biga che c'erane a zinzare allora sera perbi a di a brisane sa di a briggio di un lazo, a boi di chilane, do budgetino aleria, aleria, a kuna Biduberia. Donc, beria. Dunque, hm, mm, bolediki, e, e allora, a yante d'aleria, on ne? kel boliasi, ane? O aloria, c'est sta stueto guidye a pro, hein, Alleria, Alleria, di agida d'aleria, aleria, di bunt a roma, iwetidomba, e di domba. E Ma il de a un de l'isula di L'isola de Biscadori, qui fait à su 400 mètres de circonférence, dans un stagno, stagno de di Diana, e composta in toute l'idée d'une masse de di diopoule d'ostrige, à partir Divati aria Manwa in Roma in grande guantida ostrige salade ina zodio pula in inferiorre e aadaman in sa e inedggiare ki pertiannu daria sinaroma pertiannu imbatilu e kola iruman niine ditjawanu esine liu. Il liu la dita Maria inusstanñu inu di Dianaana eannu sebeli di brima isup pliggiadi i maruridi, is comunicadi e l loomi morti di mala morte. A dieesa construida non ta stisula, a un medru a pogubresu di o diale, die ornada d’osi omanini. Skinki Messi inkcroges sobra aborta d’entrada. xòque non ta l’altarecragni eh? eh? cragni umani, non ta l’altare. ara il l’irru di o stabilmentu e kuuber a duta a rossse humane. Un balulo go be facionament rende laò no? ki n neite. All a do mane! Merci Marie-Ange et on la retrouve demain Marie-Ange euh, sur la matinale. Une petite idée de sortie, tiens, on va s'en aller euh, cette fois-ci ouais, pour le 14 février, la Saint-Valentin, les enfants. Euh, une petite idée de sortie en amoureux, tiens. Du côté de la galerie Noir et Blanc, en partenariat avec le Café Bernard qui a rouvert sur le marché euh, de Bastia, vous allez pouvoir retrouver Nicolas Toracinta et Jean Castelli. Pour un dîner-concert. Donc, surtout, n'hésitez pas à réserver. Je vous donne le numéro de téléphone. Tiens, comme ça, c'est fait. 06 73 13 84 97. Et c'est pour euh, la Saint-Valentin à partir de 19h. Donc, euh, du côté de, du marché de Bastia. Euh, toujours dans. Tiens, petite idée. Euh, oh, cette fois-ci, tiens, on, on s'en va du côté d'Ajaccio. On va aller euh, retrouver Monseigneur François Bostillot qui euh, va dédicacer donc son ouvrage, Le cœur ne se divise pas, et vous allez pouvoir le retrouver euh, du côté de la librairie La Marge, euh, à partir de 17h. Voilà donc euh, notre cardinal qui sera donc euh, au rendez-vous avec euh, l'ensemble des et tous ceux qui ont envie de le rejoindre, bon, on le voit de partout actuellement, hein. il fait le tour de Corse lui aussi. Hein. Euh, bon, ça c'est très très bien. Un petit rendez-vous horoscope, c'est avec Paxi alors à savoir que si vous voulez avoir des petits rendez-vous un peu plus privés pour un tirage de cartes, vous avez une adresse mail à la fin de l'émission ou un numéro de téléphone. N'hésitez pas à la contacter. et peut vous faire ça aussi au téléphone. Voilà, tranquillement. Mais pour l'instant, on va se faire le petit horoscope. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo pour jeudi, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire. Les béliers, même si vous rencontrez des problèmes aujourd'hui, vous allez être totalement capable de trouver des solutions et des alternatives à tout cela. Les taureaux, vous pourriez atteindre justement les objectifs que vous vous étiez fixés. Restez focus, donnez de l'effort d'une manière équilibrée et tout devrait bien se passer. Les gémeaux, vous pourriez avoir des changements qui vont perturber votre organisation. Faites preuve de patience et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement continuer d'avancer, en fait, tout simplement. Les cancers, vous pourriez couper court aujourd'hui à une relation ou à des projets au niveau sentimental. Ne soyez tout de même pas trop radical si ce n'est pas nécessaire. Les lions, on peut dire que vous pouvez vous fier à vos idées, apportez-vous une écoute plus importante, aujourd'hui cela vous servira. Les vierges, aujourd'hui vous pourriez être tenté de dire beaucoup plus de choses sur vos sentiments et sur ce que vous ressentez envers quelqu'un. Les balances, vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour votre bonheur et votre bien-être et cela va vous réussir. Les scorpions, des déplacements importants qui pourraient vous apporter des bonnes nouvelles que vous attendez peut-être depuis très longtemps. Les sagittaires, des conversations qui vont vous permettre de peaufiner votre point de vue, faites confiance à votre réflexion, cela va énormément vous apporter un bien-être. Un bien-être bien et ça va vraiment vous permettre de peaufiner ce que vous pensez sur une situation. Les Capricornes, vous allez réussir aujourd'hui à pouvoir prendre soin de vous et à vous sentir un petit peu plus en sécurité. Les Versos, attention, aujourd'hui vous pourriez avoir des communications avec des gens peu fiables, voire même des gens assez problématiques. Ne répondez pas avec animosité, cela ne sert pas à grand-chose. Et enfin, les Poissons. Ah, les Poissons. Vous pourriez avoir des chances qui vous permettent d'améliorer une situation avec un ami qui vous est proche ou avec quelqu'un que vous aimez dans le domaine sentimental. Écoutez vos émotions par rapport aux événements que vous vivez, ça vous servira. Et bien voilà tout le monde, écoutez, merci beaucoup et j'espère en tout cas que ça va vous parler que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci Paxi. Alors, tiens, ce week-end, ce week-end, nous allons avoir donc le programme de la 17e édition des agrumes en fête. Fait. Donc, ça va se passer du côté de Basteligaccia. Vous allez pouvoir avoir ben, donc, ce samedi l'ouverture des stands avec les artisans, les producteurs qui seront sur, euh, sur l'ensemble de, de ce rendez-vous. Et puis bien sûr, il y a des petits concours comme ça. a dimanche, juste comme ça, pour après vous pouvez aller euh, feuilleter sur leur site. Il y a le concours de confiture de Clémentine. Voilà, c'est les exposants qui vont faire leur petit concours. Voilà, ils poseront la petite médaille sûrement à la sortie de, de ce concours. Et puis bien sûr des animations tout au long du week-end du côté de Basteligaç, à la découverte donc de l'ensemble des agrumes insulaires. Les agrumes en fait donc 10 et 11 février à Basteligaç. Profitez-en. Hein en plus, vous allez voir, vous allez vous faire de belles dégustations sur place. On euh, fait un petit tour de météo, petit tour de météo avec Philippe Jam, ainsi que l'information de ce 8 février. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. La matinée sera bien ensoleillée aujourd'hui, mais le ciel va se voiler dans l'après-midi. Petite exception dans l'Alta Roca et le sud-ouest de l'île, où les nuages du matin seront parfois tenaces. L'après-midi donc sera voilé par des nuages d'altitude avec un vent de secteur ouest à sud-ouest faible à modéré. Les températures maximales toujours bien agréables pour la saison. 7 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île et de 14 et jusqu'à 18 degrés en bord de mer. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bassia a donné hier son feu vert à l'extradition vers l'Italie de Marco Raduano. Ce chef de la mafia italienne recherché depuis plusieurs années avait été interpellé le 1er février à Aléria. Et l'audience d'hier de la Chambre d'instruction s'est déroulée sous haute surveillance, à grand renfort de forces de police déployées autour du palais de justice et surveillance aérienne par hélicoptère. Une dizaine de véhicules de gendarmerie ont ensuite été mobilisés pour reconduire Marco Raduani à la maison d'arrêt de Borgo. Les deux militants nationalistes du parti Naziron interpellés en fin janvier ont été présentés hier à un juge des libertés et de la détention. L'un d'eux a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hors de Corse. Le juge a par contre décidé du maintien en détention du deuxième jeune homme. Ces comparutions intervenaient dans le cadre d'une enquête sur une série d'attentats commis dans la nuit du 19 au 20 novembre 2022, notamment à Santa Maria di Lotta, une action revendiquée par la suite par le FLNC dans un communiqué. Poursuivi pour extraction sans autorisation de matériaux dans le lit du Tavignano, une entreprise de BTP comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Bastia. La justice a requis contre elle une amende de 375 000 euros et deux ans d'interdiction de gérer pour ses deux responsables. Au total, six infractions ont été relevées contre cette entreprise entre janvier et juin 2020. La décision a été mise en délibéré au 19 mars. Un nouveau parti politique nationaliste, bientôt officiellement créé, à sa tête Nicolas Battini. Ce nouveau parti devrait être présenté le 9 mars prochain à Ajaccio. Le chef de file de l'association palatine entend introduire un discours nouveau au sein de la mouvance nationaliste et prendre part aux prochaines échéances électorales, municipales et territoriales. Des jeunes du Pays basque, de Corse, d'Occitanie, d'Alsace ou encore de Bretagne se sont rassemblés hier à proximité du ministère de l'Éducation nationale à Paris, réclamant un réel statut pour les langues territoriales et la garantie de leur survie. Le collectif pour que vivent nos langues, déplore par ailleurs les faibles moyens octroyés par l'État pour leur enseignement et sollicite une évolution de l'article 2 de la Constitution qui ne reconnaît que la langue française comme langue de la République. Six lycéens et lycéennes représentant tous les territoires où une langue minoritaire est parlée ont ensuite été reçus à l'Assemblée nationale par les députés du groupe d'études Langue et Culture générale. Régionale, pardon. Santé publique a présenté hier son dernier bulletin national sur la progression des contaminations liées à la grippe en France. Après une forte hausse des contaminations constatées dans le pays depuis la mi-janvier, ces dernières ont connu une progression plus faible entre le 29 janvier et le 4 février. Sur le plan géographique, l'Hexagone a connu des disparités concernant les foyers de contamination relevés, selon Santé publique France, avec 464 passages aux urgences sur 10 000. La Corse a été la région la plus impactée par la grippe au niveau des passages aux urgences, donc suivie par l'Île-de-France 424 et la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 389 passages. Merci Philippe. On se retrouve à la fin de cette matinale pour l'ensemble des titres de ce jour. Et puis. Bien sûr, je vous rappelle que l'ensemble d'informations, c'est tout au long de la journée sur Radio Corse International. Informations sur le sport, l'information nationale, et puis retour de l'information locale, insulaire, à midi avec Philippe Jean et puis avec cette rubrique rediffusée en, en direct et version radio sur Radio Corse International à partir de midi. Euh, allez, tiens, on va aller du côté de Calenzana, j'en ai une Balagne. On va partir du côté de la Balagne, à savoir que vous avez le, les rencontres de calenzane qui débutent. Donc, avec ce soir, nous allons retrouver un, le premier concert avec la bande acoustique. Donc, vous voyez comme c'est écrit. Un petit extrait, tiens. C'est plus simple de, de voir ce que c'est. Vous avez envie d'aller les voir ce soir Allez, petit extrait de ce groupe, la bande acoustique.

Voilà, c'est un petit rendez-vous. Hein. Euh, voilà, je vous rappelle que le... nous allons avoir tout au long de la semaine, comme ça, des petits rendez-vous avec ces rencontres de Calenzane. Et puis en fin de matinale, je vous parlerai de, de ce que vous allez pouvoir retrouver euh, vendredi du côté de Calenzane, plus précisément du côté de Lumi, au spazio culturel et siméoni où vous allez pouvoir retrouver en concert euh, le groupe euh, Spartimo. Alors, on en parlera en fin de matinale. Euh, pour le moment, le Turf avec Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3, Oratus Stella, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la seconde course, Sous le 11, Lola Duclos, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la cinquième, le numéro 8, Jolie Poupée. Bon jeu à tous Bon, vous avez bien noté les numéros Impeccable bon. J'espère que vous avez gagné quelque chose quand même. On partage, on fait 50-50 quand même. Ah ouais, on vous a donné un numéro, donc on partage. Elisa, pour ses lectures, rendez-vous sur Radio Corse International avec toujours son charmant sourire. Bonjour, aujourd'hui plein phare sur la rentrée littéraire de janvier 2024 avec un très beau roman, La langue des choses cachées. Il s'agit du neuvième roman de Cécile Coulon, qui est une jeune roman romancière française très prometteuse, nouvelliste et poétesse. La langue des choses cachées, qu'est-ce que c'est C'est un roman très court mais très puissant, très dense, qui se lit d'une traite. Cette histoire, c'est celle d'un jeune guérisseur, héritier du pouvoir transmis par sa mère, qui chemine. Il se rend au chevet d'un enfant dans le village reculé du fond du puits, un lieu figé dans le temps qui repose toujours dans l'ombre, à l'endroit même où sa mère était venue porter secours des années plus tôt à une âme en souffrance. Comme sa mère avant lui, il vient guérir les âmes et les corps grâce à la langue des choses cachées. Quand la médecine n'est plus d'aucun recours, c'est la mère qu'on appelait. D'elle, le fils a tout appris. Désormais, il prend son tour, il fait suite et c'est la première fois qu'il s'en va guérir. Le fils, c'est ainsi qu'il est nommé tout le long du roman, s'apprête à vivre une expérience initiatique violente, intense, dont ni lui ni les habitantes du hameau ne sortiront indemnes. A l'instar des contes, le récit s'égrène hors du monde et du temps. La nature est reine et hostile, les hommes sont souvent cruels et violents, les femmes subissent elles déploient une résilience nécessaire. Il est question de la noirceur des choses cachées, de nos parts d'ombre, des secrets qui étouffent, des chairs et des âmes qui ont été meurtries. Il est question du mystère occulte, de la mort, de la vie, des fautes que l'on tente de réparer aussi. L'écriture de Cécile Coulon est un chant, un chant sacré, tant ses phrases sont belles, jamais empoulées. C'est une écriture qui sait admirablement dire la noirceur des hommes, leur monstruosité, mais aussi leur humanité. C'est un texte unique. Une admirable réussite à mi-chemin entre la réalité et le domaine des forces occultes. Je vais vous en lire d'ailleurs un, un petit extrait. Car c'est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent, en prenant avec les cieux de funestes engagements. Leurs mains caressent et déchirent, rendent la peau si douce qu'on y plonge facilement des lances et des épées. Rien ne les effraie, sinon leur propre mort. Leurs doigts sont plus courts que ceux des grands singes, leurs ongles moins tranchants que ceux des petits chiens. Pourtant, ils avilissent bêtes et prairies. Ils prennent les rivières, les arbres et les ruines du vieux monde. Ils prennent, oui, avec une avidité de nouveau-né et une violence de dieu malade. Ils posent leurs yeux sur un carré d'ombre, et par ce regard, l'ombre leur appartient, et le soleil leur doit sa lumière et sa chaleur. La langue des choses cachées de Cécile Colomb, c'est ma pépite de la semaine. En vous en parlant au début de, de cette émission, de cette matinale, de nos invités, nous aurons dans un petit moment, qui seront reçus par Philippe Jam dans les studios de Bastia, de Radio Cross International, la directrice du conservatoire de Bastia, du conservatoire Henri Thomas, ainsi que le DRH. Vous allez voir pourquoi ils sont avec nous aujourd'hui, écoutez bien. Nos invités aujourd'hui, Jennifer Gamirossi, qui est directrice régionale du Conservatoire de Corse, et Rémi Mattei, directeur des ressources humaines du Conservatoire de musique, danse et arts dramatiques de Corse, Henri Thomas. <music> Jennifer, bonjour. Bonjour. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot tout d'abord, Jennifer, sur ce conservatoire, quel panel il offre exactement Alors, bah, le conservatoire Henri thomasie donc c'est deux antennes, Ajaccio et Bastia. Prochainement, une troisième antenne peut être accordée euh, d'ici les deux années à venir. Euh, formation en non-musique, en danse, en art dramatique, dès l'âge de 5 ans, avec un socle commun de pluridisciplinaire dès l'âge de 5 ans, puis une spécialisation à partir de l'âge de 8 ans. Donc, les élèves peuvent choisir danse ou musique. L'art dramatique, on commence un petit peu plus tard, euh, à partir de la sixième. Et puis, c'est une multitude de formations, plusieurs types de formations, plusieurs parcours euh, qui vont aller vraiment du parcours amateur au parcours professionnel. Donc, chacun a sa place au conservatoire. Aujourd'hui, ça représente combien d'élèves et de professeurs 1300 élèves, un petit peu plus, même 1380 pour cette année. Euh, 76 agents. Euh, 70 à peu près professeurs, donc on a quelques vacataires, des titulaires, euh, voilà, euh, et puis des agents administratifs, bien sûr, pour euh, bah faire tourner cette grande maison. Alors, on va parler de cette grande nouveauté pour 2024, c'était cette formation au diplôme d'État de professeur de musique Alors, nous, on va mettre en place une préparation au concours diplôme d'État, euh, enfin, pour rentrer au concours, voilà, pour, pour vraiment rentrer au DE de musique traditionnelle. Donc on fait la petite préparation et après le DE de musique traditionnelle sera pris en charge par l'IUSM d'Aix-en-Provence, qui est un pôle supérieur, et l'université de Corté. Alors Rémi et Mathilde, vous êtes un peu le responsable de, de, de ce projet. Comment ça va s'articuler exactement il y, a, il y a un concours d'entrée d'abord il y a un concours d'entrée qui se déroulera effectivement du 1 au entre le 1er et le 5 juillet qui se déroulera à Corté, avec différentes épreuves un, un entretien bien sûr devant, devant un jury euh, un dossier de motivation qui devra être constitué et, euh, et une épreuve d'interprétation qui comprendra une partie vocale et une partie instrumentale aussi, parce que dans le cadre de la formation, et j'aurai certainement l'occasion de le développer un peu plus tard, il euh, y a un axe fort qui est mis sur la pratique instrumentale et vocale sur les deux pratiques. Bien sûr, pourquoi la pratique vocale Parce que l'essentiel euh, du, euh, du patrimoine musical corse réside dans les pratiques vocales, avec notamment le canto in qui, on le sait, est inscrit. Au, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, sur la liste de sauvegarde d'urgence. Mais il y a également un riche patrimoine instrumental. Donc, dans le cadre de la formation que les étudiants seront amenés à suivre, qui est une formation de trois ans, euh, il y aura euh, également au moins l'apprentissage d'un instrument d'accompagnement, on expliquera pourquoi, et l'apprentissage d'un instrument traditionnel obligatoire, en plus de tout le volet pratique vocale, comme je le disais. Alors, ce qu'il faut souligner, faire c'est que c'est un projet qui. Qui date quand même de quelques années. Ça a été peut-être long à se mettre en place. On arrive à, à, presque aux dernières étapes. C'est un projet qui remonte à 2019, c'est ça? 2018-2019, donc moi je n'étais pas encore là, hein. <laughs> <J 'ai rire> voilà. je suis arrivée en 2021. Euh, quand je suis arrivée, en fait, Brice Montagnu, qui, enfin, qui était le directeur de l'IUSM et euh, Rémi, m'avait présenté la maquette, m'avait présenté euh, le projet. Donc euh, moi je l'avais reçu vraiment comme une opportunité pour le conservatoire, puisque actuellement c'est un conservatoire à rayonnement départemental, et que pour prétendre à devenir un conservatoire à rayonnement régional, il faut être en lien avec des pôles supérieurs. Donc c'est vrai que moi, en 2021, oh, super, c'est voilà on est parti, on va y aller, on va foncer. Et puis bah, malheureusement, Brice Montagny nous a quittés et euh, donc le projet a un petit peu euh, stagné. stagné. Mais euh, Mathias Chanti a vraiment relancé les choses, donc c'est l'actuel directeur de l'USM. Et puis Rémi s'est toujours battu derrière en disant, il faut, on ne doit pas lâcher, euh, c'est hyper important pour la Corse, puisque c'est notre patrimoine immatériel, il faut absolument, on a pu... De DE. En fait, on n'a plus que François Berlingue, qui est actuellement DE de musique traditionnelle. Mais à part cette ressource, nous n'avons personne. Et vous savez que pour faire fonctionner un conservatoire, il faut des professeurs diplômés d'État. Alors, quelles ont été les, les étapes depuis 10, de, de, 2019, Rémi Alors, les étapes depuis 2019, quand on est parti de ce, de ce constat, hein, et je remercie Jennifer parce que c'est toujours un soutien très précieux, hein, euh, euh, ma directrice dans l'accompagnement de ce projet, c est, c est, on a toujours été ouais. euh, travaillé. Hein. Euh, voilà, sur, sur l'élaboration de ce projet. Donc on est parti du constat euh, qu'on manquait, qu manquait de professeurs diplômés d'État dans une discipline qui, en plus, était vraiment plé plébiscitée par le, par le public. Donc ça a été de convaincre d'abord le président du conseil exécutif, qui est aussi président du syndicat mixte du conservatoire, de l'intérêt de ce projet, de convaincre de la même manière euh, le président de l'université... Alors ils ont tout de suite adhéré à la démarche et adhéré au projet. Donc le président du conseil exécutif m'a, euh, euh, voilà, euh, engagé dans cette mission en fait hein, pour mettre en place ce DE. Donc on avait nous à travers le conservatoire une dynamique de formation avec. L'IESM Europe Méditerranée qui est installée à Aix-en-Provence. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un DE, pour délivrer un diplôme d'État, euh, il faut ce qu'on appelle un pôle supérieur d'enseignement artistique. Or, nous, Conservatoire de Corse, nous travaillons depuis plusieurs années sur le volet formation avec l'IESM d'Aix-en-Provence, qui est aujourd'hui dirigé bien par euh, Mathias Chant, euh, qui connaît très bien la Corse, et qui a. Euh, et, 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 et donc, cette relation de confiance qu'on a pu développer nous a permis. De, de les convaincre aussi euh, de, de participer au projet donc voilà on a trois entités la collectivité de Corse qui est euh, voilà qui est le, le, le porteur de projet l'université de Corse et l'IESM qui adhère au projet donc d'abord il a fallu élaborer la maquette de formation en lien avec les instances universitaires c'est une maquette qui est en cours de finalisation hein. elle est pratiquement aboutie parce qu'il y a toujours des ajustements mais la question sur laquelle on a beaucoup buté, et ça a été la question des locaux, parce qu'il faut des locaux qui, accordés, soient adaptés à la pratique musicale. Donc là, on a eu la chance d'avoir les services de la CDC, et notamment la direction de l'enseignement supérieur qui suit ce dossier, et l'université de Corse qui ont trouvé une solution. C'est la caserne Padoue. Euh, mmh. en, face, en face, du musée de la Corse, ça a son importance parce que elle va accueillir cette formation dans des locaux d'à peu près 400 mètres carrés. Voilà, les travaux sont en cours hein, pour une rentrée en septembre 2024, et ça fait sens parce que la Caserne Padoue est face au musée de la Corse et face à la Phonothèque de Corse. Et pour travailler sur le répertoire de musique traditionnelle, eh bien, rien de euh, aussi essentiel que d'aller aux Sources donc de la musique traditionnelle et des enregistrements de tout ce qui a pu être collecté, euh, notamment dans le cas du réacquisto cultural, mais euh, sur, sur les musiques traditionnelles de Corse. Donc il y a une proximité géographique qu'on va utiliser qui va être vraiment dans l'intérêt des étudiants et de l'équipe enseignante. Oh, Jennifer, il faut déjà avoir un bagage pour postuler à cette formation et Combien Est-ce qu'il y a un chiffre précis de, de, de personnes qui pourront participer à cette formation Alors pour un DE, euh, donc tout type de DE, un hein, DE, professeur de danse, DE, professeur de musique, quel que soit l'instrument, normalement pour l'entrée, il faut avoir obtenu un DEM ou l'équivalent. Donc le DEM est un diplôme d'études musicales délivré par les établissements classés par le ministère de la Culture ou avoir des équivalences. Donc les équivalences, sont vraiment euh, des diplômes d'école supérieure. Alors quand on parle d'école supérieure, on ne parle pas des supérieurs post-bac, donc euh, université, mais on parle des classes supérieures. Euh, donc souvent, on appelle ça des classes prépa, hein, la classe préparatoire d'enseignement supérieur, qui se déroule dans les conservatoires classés, mais aussi dans des écoles privées. Donc là, nous, en Corse, pour que le DE puisse avoir lieu, il fallait aussi que le conservatoire s'ajuste. Donc, on a mis en place un DEM de musique traditionnelle, donc un diplôme d'études musicales vraiment adapté, euh, qui n'est récent que depuis deux ans. Mais ce DEM de musique trad ne pouvait pas se mettre en place tout de suite, parce que sinon, c'était pour deux élèves. Ouais. Et il faut savoir que sur le territoire national, euh, actuellement, il y a quatre conservatoires qui délivrent un diplôme d'études musicales spécialisé musique traditionnelle. Donc... Du coup, c'est le seul DE qui a le droit, donc le ministère de la Culture a habilité l'IESM d'Aix-en-Provence pour pouvoir mettre en place ce DE de musique avec cette exception, qui est à dire les élèves doivent arriver avec un bagage, doivent passer un concours d'entrée conséquent, mais petite exception, le DEM n'est pas obligatoire. Voilà, donc ça c'est vraiment spécifique à ce DE, parce que si on va sur d'autres pôles sup, le DE, il y a forcément un DEM avant. Donc là, le rôle du conservatoire va être d'accompagner tous les étudiants qui le souhaitent pour rentrer à ce DE, de préparer l'épreuve, euh, donc le conservatoire, mais aussi le CAP de certaines, puisque c'est un centre d'art polyphonique. Mmh. Donc euh, l'objectif, c'est vraiment que tous les services de la collectivité travaillent ensemble et que nous, qui sommes, entre guillemets, pas indépendants, mais un petit satellite de la collectivité, puissions travailler main dans la main pour préparer les étudiants. Dans le bagage, il faut être en capacité de rédiger un dossier euh, de motivation. Constitué d'un dossier professionnel, donc avec un projet euh, de se dire voilà, je veux devenir professeur, mais pour quelle raison Ensuite, des épreuves d'interprétation, donc c'est une préparation vocale et instrumentale qui pourra se faire soit au conservatoire, soit au CAP, en tout cas sur le territoire, mais être identifié comme potentiellement je vais pouvoir me présenter au concours, parce que bon, un concours, euh, si on y va et qu'on n'est pas préparé, excusez-moi, mais on va droit à la catastrophe, et puis c'est toujours un échec. Alors que là, voilà, le territoire corse a décidé d'accompagner l'ensemble des acteurs. Il peut y avoir des gens de tout profil. Il peut y avoir des professionnels qui sont déjà chanteurs professionnels. Mmh. Il peut y avoir des musiciens professionnels. Il peut aussi y avoir des étudiants, des jeunes. Et puis vous savez que la musique traditionnelle se, se transmet par l'oralité. Et ça, c'est une spécificité. Puisque généralement, pour des DE, il faut un, un, un gros bagage en formation musicale. Donc en FM, ce qu'on appelait anciennement le solfège, donc le solfège mmh. est élargi. Pour le DE de musique traditionnelle, il faut un bagage, mais c'est l'oralité, transmission de la musique par euh, les générations en fait. C'est carrément euh, voilà la transmission d'un patrimoine. Donc il fallait adapter. Ce travail-là, il a été fait par l'USM en collaboration avec les acteurs du territoire donc on, on a pu faire appel à, à Jérôme Casalonga pour le centre vote euh, le groupe Filette avec, euh, avec Jean-Claude Crovisier voilà, Jean bien sûr dans la dans la maquette de, formation. La maquette de formation François Berling qui a été pour nous vraiment euh, qui faisait le lien aussi avec l'université Daniel Bernus et des professeurs du conservatoire qui sont ben, justement on va dire euh, avec les étudiants avec les élèves donc qui connaissaient aussi les spécificités du territoire sans oublier Christian Andréani aussi. Ouais, qui ah ben bah oui, voilà, Christian Edouené. Et il y en, en maquette, a plein d'autres, on n'en oublie pas, en, en fait. En fait, fait voilà. Mais oui, tous oui, les acteurs du territoire. C'est très riche en voilà. tout à fait. Et donc, ce cursus, il commencerait. Il y a le concours. Le concours est quand Début juillet. Début juillet. Et le cursus pourrait commencer en septembre-octobre Septembre 2024. Septembre ou octobre 2024. Normalement, c'est septembre. Donc, 2024. il peut accueillir un nombre, on ne peut pas dire illimité, mais. Un maximum de 15 étudiants. D'accord. forcément, 15... sur des cours, sur des, sur des effectifs restreints, avec beaucoup de pratiques, des pratiques collectives, mais aussi, comme en conservatoire, beaucoup de pratiques individuelles. Hein, on va travailler euh, très précisément avec les étudiants. Voilà. Donc, c'est trois années de formation à l'issue desquels on pourra euh, obtenir le diplôme d'état de professeur de musique, qui permet de travailler en conservatoire, et le diplôme universitaire, qui est adossé, hein, parce qu'on travaille avec l'université de Corse, qui elle-même euh, met en place un diplôme universitaire. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de, de, de professeurs oui. Tout à fait. La, la, la Corse, fait. est une île euh, chantante, musicienne. Oui, et le, le besoin. Alors, il y a, y a une forte demande dans les musiques traditionnelles. D'ailleurs, nos élèves qui sont inscrits dans les cursus, dans ce qu'on appelle les répertoires classiques à mmh. contemporains, c'est-à-dire, par exemple, qui vont être en violon, jouent, se produisent énormément avec les groupes, avec les groupes corse, en violon, en guitare, etc. Les accompagnent souvent, chantent parce qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai même plébiscite autour de ces pratiques des musiques traditionnelles et une volonté de redécouvrir et il y a aussi un enjeu qui nous avait un petit peu dépassé mais ce projet a été voté à l'unanimité par l'assemblée de corse et ça fait sens et dans les, les, les réflexions en fait des, des conseillers à l'assemblée de corse on retrouvait non pas seulement l'enjeu de transmission dans un conservatoire, mais l'enjeu de sauvegarde de ce patrimoine, parce que beaucoup d'acteurs culturels, des passionnés, des artistes, des pédagogues, se sont impliqués euh, toujours bénévolement, toujours portés par leur passion hein, de, la, de, la, de la culture corse et, et du chant et de la musique corse euh, auprès des publics pour faire vivre ce, ce patrimoine. Voilà. Et donc il y avait une vraie attente et une vraie crainte. De, 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 de ne pas réussir à transmettre, à passer ce relais-là. Donc, euh, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Alors, Rémi disait que c'était un cursus de trois ans, mais est-ce que tous les ans, il y aura de, de nouveau une euh, formation ou c'est un une première formation et après on attendra trois ans Alors, au niveau de. En fait. Donc c'est plus l'USM et l'université que, que le conservatoire qui va. Alors l'objectif, oui, bien sûr, il va être de renouveler. Mmh. Euh, là, pour l'instant, c'est une première promotion de trois ans qui est vraiment sur la musique et le chant corse traditionnel mmh. et de l'ère méditerranéenne. Et bien sûr, il y a l'optique d'ouvrir encore plus largement. Donc se dire bah, peut-être que la prochaine promotion ouvrira aussi à des, des à Des étudiants étrangers, enfin voilà, à des étudiants venant peut-être d'Italie, mmh. d'Espagne, du Maroc, enfin voilà, que ce soit très très ouvert. Donc là, je dirais que c'est plus dans, dans les mains de l'IUSM et de l'université. Nous, côté conservatoire, le lien qu'on y trouve, c'est que il euh, y, y a cette continuité. Euh, on va pousser nos élèves à aller vers une continuité professionnelle. Et puis, il y a aussi une, un aspect, et là, en tant qu'ERA, je pense que Rémi va rebondir tout de suite, il y a l'aspect professionnalisant, où se dire, nous, on a besoin aussi de ressources. C'est-à-dire que si on met en place un plan vocal à l'échelle régionale, euh, si on met euh, des, des, en place aussi des actions dans les écoles, il nous faut des ressources. Mais en tant qu'établissement labellisé... Par le ministère de la Culture est classé, nous avons obligation d'avoir du personnel diplômé. Et actuellement, bah, on a moins d'actions, on a peu d'actions parce que nous n'avons pas assez de ressources sur l'île. Donc c'était aussi débouchés, Rémi. voilà les débouchés. C'est voilà. pour ça que je c'est... les débouchés sont nombreux, ils y sont existants à travers les besoins du conservatoire. Mm -hmm. C'est très important puisque nous on a deux antennes au conservatoire. Une et préfiguration d'une antenne aussi à, à Corté, Corté, parce que Corté oui. euh, demande également, et ça fait sens, hein, une création d'antenne à Corté. Après, y a il y a les pôles territoriaux d'enseignement artistique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le schéma régional, hein, de, le schéma territorial des enseignements artistiques, la CDC s'appuie sur les deux antennes du conservatoire, mais sur des structures qui sont des structures associatives, qui répondent à un certain nombre d'exigences de qualité dans l'offre pédagogique, qui sont les pôles territoriaux d'enseignement artistique, donc qui ont également, on était en réunion euh, lundi avec, avec les pôles territoriaux d'enseignement artistique, on s'appelle ce soir, qui sont sur la thématique des musiques traditionnelles, mais pas seulement eux aussi confrontés aux besoins de, de personnel dans ces disciplines et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses qui peuvent être impliquées parce qu'on parlait lors de cette réunion également des moyens il y a des plans aussi au niveau national je pense au niveau national je pense par exemple au plan choral, qui est un plan qui est mis en place par la, la, le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture avec pour objectif euh, il, il remonte à 2018 hein, ce plan de d'ouvrir une chorale dans chaque collège école lycées de France donc pourquoi pas nous imaginer en prenant appui sur le conservatoire sur le centre d'art polyphonique sur les pôles territoriaux d'enseignement artistique un plan choral mais version noustrale avec une valorisation de notre patrimoine euh, de notre patrimoine vocal et puis, il y a aussi d'autres plans. Je pense à tous musiciens d'orchestre. On peut également imaginer des actions avec des ensembles, des orchestres de, de, de musiciens traditionnels, de musique traditionnelle corse avec, des, avec nos instruments. Donc, on peut tout imaginer. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où on est engagé dans cette démarche, forcément, on est sur le territoire engagé dans une démarche ambitieuse de développement de l'enseignement artistique sur tous les territoires de l'île. Et donc là, ces étudiants seront les bienvenus pour accompagner, quand ils seront professeurs, donc, tous ces mouvements. Jennifer Gamero, si vous étiez donc, vous êtes directrice régionale du Conservatoire de musique. Merci d'être de Corse. Merci d'être venue. Rémi, merci. Et puis on, on, on va suivre cet épisode, là, ce, cette, ce concours. Et puis on espère que d'ici le mois de, de septembre ou octobre, on se, on se reverra pour parler de, de la rentrée. Merci, merci de beaucoup. nous avoir invités. Merci, merci, merci à vous. On ne pouvait pas finir sans avoir un petit morceau de, de musique du conservatoire avec l'Arquette de H.T.H. Voilà, c'était, comme vous avez pu le voir, c'était lorsqu'ils étaient sur Paris en première partie, des Mouvrini. On se fait un petit détour, une fois de plus, sur les titres de l'information avec Philippe Jam, le titre de l'information de ce 8 février. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bassia a donné hier son feu vert à l'extradition vers l'Italie du mafieux Marco Raduano. Les deux militants nationalistes du Parti Nazion interpellé fin janvier ont été présentés hier à un juge des libertés et de, de la détention. L'un d'eux a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, le second maintenu en détention. Un nouveau parti politique nationaliste bientôt officiellement créé à sa tête Nicola Battini. Ce nouveau parti devrait être présenté le 9 mars prochain à Jacques. La Corse touchée par la grippe, selon Santé Publique France, avec 464 passages aux urgences sur 10 000. La Corse a été la région la plus impactée par la grippe au niveau donc, des passages aux urgences. Météo du soleil le matin, des nuages l'après-midi. Merci Philippe. Alors je vous en parlais tout à l'heure de, des rencontres donc de Calenzane. Donc ce 9 février, vous allez pouvoir retrouver aux rencontres de Calenzane. Euh, pour les hivernales, quatrième édition, un concert avec euh, Spartimo. Voilà, le groupe Spartimo. Et puis, bien sûr, tiens, on va les retrouver dans un petit moment. À savoir que le, le spectacle va se dérouler du côté de Lumio, dans au Spazio Cultural de Et c'est à partir de 19h. Voilà. 19h, donc, pour. Euh, pour ce concert donc, du groupe Spartimo. N'hésitez pas donc, à réserver vos places, pas, puisque je vous rappelle qu'on est dans le cadre des rencontres de Calenzan, des hivernales, quatrième édition. Et puis, on va finir avec eux, qu'est-ce que vous en dites On va finir en, en musique avec le groupe Spartimo. Allez, je vous invite à rester connecté, hein, que ce soit du côté de Télépaez ou bien de Radio Consiglio International. Nous allons retrouver, bien sûr, comme je vous disais, l'ensemble de nos rubriques sur, euh, sur la radio. Côté télé, vous allez pouvoir retrouver aussi, tiens, un petit clin d'œil, Alexandra Pichoff, que vous retrouvez tous les soirs pour nous dire, alors n'hésitez pas, donc, euh, rester connectés sur l'ensemble de, de ces deux stations, de la télé et de la radio. Bonne journée à tous, et j'ai rêvé même heure, même antenne. Señor. Salve a tutti! All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Simusa!